Merci de votre attention, madame, monsieur. Voici l'actualité ce mardi. La réforme engagée dans l'administration publique togolaise, sujet évoqué tout à l'heure dans cette édition. La phase 1 se termine. Quel bilan à mi-parcours? Pierre Sosoukbo nous en dira plus tout à l'heure dans cette édition. Le dossier santé de cette édition consacré aux céphalées et à son traitement. La céphalée ou le mal de tête, une douleur locale ressentie au niveau de la boîte crânienne. Tout le monde en souffre. Le sujet nous intéresse ce soir. Dossier à suivre. Donc tout à l'heure dans cette édition. Enfin, la CAN Gabon 2017, c'est déjà demain. Les préparatifs vont bon train dans les différents états-majors. Les éperviers du Togo sont à Dakar pour un stage à l'Institut d'Ambers de Sali au nord de la capitale sénégalaise. Mais ce qui nous intéresse précisément, comment ça se passe à Dakar? Bon à savoir, rendez-vous tout à l'heure en fin de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici donc le journal. Nous l'annoncions donc à un titre tout à l'heure, une administration efficace, rapide et proche des gens. Eh bien, c'est l'ambition affichée du gouvernement avec la réforme engagée depuis 2008. La première phase se termine. Quels sont, à l'heure du bilan à mi-parcours, les acquis de cette première phase? Que reste-t-il à faire? Question-réponse, Pierre Sosoukbo. Dans ces bureaux de service public, on y entre et on y ressort dans un mouvement infernal du lever au coucher du soleil. À l'intérieur, des hommes et femmes visiblement rompus à la tâche. Des images qui en disent long sur les mutations enregistrées ces dernières années dans l'administration publique togolaise. Le Togo a opté pour une réforme de type thérapeute. C'est-à-dire, il fallait dans un premier temps expérimenter la réforme, asseoir les bases de la réforme avant d'aller vers la consolidation des acquis et l'élargissement de la réforme. C'est pour ça que le programme a prévu de 2008 à 2015 comme phase prévue. Et pour nous en rendre compte, nous remontons à 2006 aux états généraux de l'administration publique. Les diagnostics établis ont conduit à la mise en œuvre de la réforme du secteur, ce qui a nécessité des actions urgentes, quitte à assurer le meilleur service à l'usager en instituant une administration de proximité à l'écoute du citoyen. Direction de la fonction publique. Parmi les agents que voici, certains viennent d'être servis, d'autres doivent encore attendre. Le dossier que moi j'ai eu à introduire dans ces derniers temps-là, durant les 2 ans, au moins si on n'est pas pingre pour le déplacement surtout, et on arrive pour le suivi, ça marche. Au commencement, quand on avait déposé les dossiers avaient fait 2 ans. Mais c'est dernier moment-là, bon, les dossiers, ça avance plus qu'auparavant. Ce léger mieux est donc à mettre à l'actif de la politique de réforme entreprise par le gouvernement togolais il y a près de 8 ans. Au secrétariat général du ministère de la fonction publique, nous avons été édifiés. Il était question d'apporter une attention quotidienne à l'amélioration de la qualité du service rendu aux citoyens. La démarche visait à fournir un service public de meilleure qualité qui permet de considérer les usagers non pas comme des administrés, mais comme des clients. On dit toujours le client est roi. C'est le client qui fait que l'entreprise marche. Si les clients ne viennent pas, l'entreprise n'a pas de profit. Et donc l'idée pour l'administration publique d'aller vers cette conception d'usager-client, c'est aussi de dire que celui que nous avons en face de nous, c'est lui qui donne, qui fait que l'administration, la fonction publique a de la valeur. Mais la réalité reste tout autre. De longues heures d'attente dans les bureaux ou au guichet sont encore loin de dire leur dernier mot. D'un service à l'autre, des usagers toujours heurtés à la complexité de certains services ou aux lourdeurs administratives. Il y a toujours cette lenteur administrative là qui pèse sur la carrière des enseignants. Oui, je ne sais pas pourquoi. Très souvent, il faut donner quelque chose avant qu'on vous signe le dossier. Ça, c'est une chose qui nous embête. Comme nous venons de loin, il faut payer encore le déplacement avant de glisser encore quelque chose. Ça nous embête tellement. Au cabinet du ministère de la fonction publique, du travail, de la réforme et de la modernisation de l'administration publique, on mesure la portée de la situation. Aujourd'hui, on peut clairement constater que notre administration et nos services publics ne fonctionnent pas de la manière la plus efficace. Pour un certain nombre de raisons. Les gens sont beaucoup plus attachés à leur statut,
aux avantages et aux privilèges qu'ils peuvent en tirer, mais la question du rendement, la question de la performance, la question même de l'efficacité interne, où je suis un agent de l'État, je dois me poser la question de savoir, à la fin de chaque jour, à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque mois et de chaque année, est-ce que je suis satisfait du travail que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai le sentiment que mes services sont bien organisés? Grâce aux mesures de simplification bientôt mises en œuvre par le gouvernement, les choses pourront se faire autrement, on l'espère. Reste une conversion de mentalité pour une nouvelle éthique du travail qui privilégiera une amélioration de la productivité dans tous les compartiments de l'administration publique. Dossier signé Pierre Tsoussou pour la suite et ses décrets de nomination. Décret signé du président de la République, décret portant nomination des membres de la commission de réflexion sur la réforme politique institutionnelle et constitutionnelle au Togo. Le président de la République, vu la constitution du 14 octobre 1992, vu le rapport final de la commission Vérité, Justice et Réconciliation du 3 avril 2012, le conseil des ministres entendu décrète. Article 1er, sont nommés membres de commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles au Togo. Monsieur Aoumé Zounou Kwesi Séléagodji, membre. Monsieur Ayasseur Adi Otet, membre. Professeur Kokoroko Komla Dodji, membre. Professeur Poder Adama, membre. Professeur Batchana Essoranam, membre. Monsieur Afande Kofi Koumelio, membre. Monsieur Yabré Dago, membre. Docteur Iwu David Ekoudé, membre. Article 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Deuxième décret portant nomination des membres de la Haute Autorité de Prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le président de la République, vu la constitution du 14 octobre 1992, vu le décret numéro 2015-041-PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement modifié, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Sont nommés membres de la Haute Autorité de Prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Monsieur Wiyao Essorana, Monsieur Folivi Assiongor, Madame Chemi Mma, Madame Ayena Akosiwa, Monsieur Kujo Ayayi, Monsieur Aruna Larja, Monsieur Aladjou Aguta. Article 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Voilà donc des décrets cités donc du président de la République. Retour donc sur l'administration togolaise. Comment s'est-elle comportée justement aujourd'hui au lendemain des fêtes de fin d'année? La reprise, c'était ce matin dans les services. Hier, c'était férié. Alors, tout le monde était-il à son poste et à l'heure? C'est fini la fête. Le travail à présent, la reprise, le constat et sera Théo Théo. La reprise de service a été effective dans toutes les publique où nous sommes passés. Ici à la préfecture du Golfe, le nouveau préfet, dans sa tactique de contrôle de vœux au personnel, s'est assuré de la présence de chaque agent à son poste. La reprise est totale. Nous avons eu le matin donc de faire le tour entre 7h30 du bureau de la préfecture et du conseil de préfecture, et nous avons constaté que pratiquement tous les agents. Comme grand chantier, aujourd'hui, nous voulons accélérer la défense des actes qui sont donc signés au niveau des états civils et même des services de la préfecture comme du conseil. Que ce soit dans les ministères de la communication, de la fonction publique, de la santé, de l'économie et des finances ou au ministère de l'administration territoriale, pareil constat. Les fonctionnaires ont profité de la journée fériée la veille pour se remettre des effets de la fête. Tout le monde semble quand même lucide. Je crois qu'ils ont eu le temps de récupérer hier parce que là, il faut remercier le gouvernement parce que si c'était hier la reprise, ça aurait été un peu peut-être catastrophique pour certains, pas peut-être certains. Je crois que ça leur a fait quand même une bonne chose de s'imposer. Déjà 2 jours de moins dans la réalisation des lettres de 2017 assignées à chaque ministère.
Les jours s'égrènent, les années changent, mais les obligations vis-à-vis des usagers de l'administration publique ne changent pas. Elles restent les mêmes, la célérité, le patriotisme et le civisme. Et sur le marché, dans les entreprises, le secteur privé en général, comment était l'ambiance de la reprise ce mardi? Lourdeur des fêtes, disponibilité à reprendre de l'activité. Yasmine Kodia et Sylvia Abdou ont fait le tour ce matin. Voici le reportage. L'ambiance de la reprise des activités n'est pas celle des grands jours, quelques heures après les fêtes de fin d'année. Au grand marché de Lomé, la reprise des activités commerciales est encore timide. Les quelques commerces qui ont ouvert ont tout simplement voulu répondre aux attentes de leurs clients fidèles. Ce matin, je suis déjà au bureau, au marché, pour l'accueil de la clientèle. C'est un peu lent, mais nous espérons que 2017 sera un bonheur pour nous et pour tout le Togo. Tout de suite après les fêtes, c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de ventes, mais quand même, on doit ouvrir pour faire savoir aux clients qu'on est là, qu'on n'est pas à la maison, parce que bon, il faut pas oublier que dans d'autres pays, nous on est des grossistes, donc on a des clients qui viennent de partout. Donc dans d'autres pays, tout de suite après les fêtes, les gens reprennent des activités. Donc s'ils viennent, il faut qu'ils nous trouvent quand même au marché. C'est quand même difficile, on l'a repris que ce matin. Il y a des clients qui se sont passés, il y en a qui sont venus s'informer. Il y en a qui sont venus visiter. Nous avons pu constater qu'il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées. Peut-être c'est à cause de après la fête, c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Mais ce que nous, on est venu chercher aujourd'hui, on a trouvé parce qu'on a acheté quelques habits pour des gens qui sont venus des États-Unis pour passer les congés de Noël de fin d'année avec nous. Chaque secteur d'activité a donc observé cette reprise. Les conducteurs de taxi ne sont pas en reste. Le matin, c'était timide. Vers 10h, l'activité a repris. Il y a des arrivages, on va, on revient. Les camarades ne sont pas sortis comme il le faut. Mais le peu qui sont venus, bon, et tous sont contents. Et ça bouge toujours. La reprise des activités commerciales après les fêtes de fin d'année est donc une nouvelle opportunité pour repartir sur de nouvelles bases afin de matérialiser les acquis et faire progresser les chiffres d'affaires. Et on le sait, à la veille des fêtes, c'était une véritable opération de charme pour s'attirer plus de clients en cette refaite décorée pour la circonstance de nouveaux articles proposés à des prix défiant toute concurrence, parfois même des agents marketing plus aguicheux que jamais. But de l'opération, faire réaliser plus de chiffres d'affaires en cette période de fête où tous les foyers dépensent. Au final, est-ce réellement le cas? Des stocks ont été-ils effectivement écoulés? On va faire le compte maintenant avec Carmel Madji à Kakpo. Les retombées économiques après les fêtes, c'est le dossier à suivre maintenant. La période des fêtes de fin d'année a été pour les opérateurs économiques, notamment ceux du secteur informel, une occasion pour rentabiliser leurs activités. De nouveaux investissements ont été faits dans cette optique. On a eu à faire des promotions, des soldes. On va rendre grâce à Dieu, ça s'est bien passé. En ce qui concerne nos activités économiques, c'est pour cette dernière semaine de l'année, ça s'est bien passé. Et on souhaiterait encore que l'année qui vient de commencer soit aussi fructueuse comme cette fin d'année. De même pourcentage, on va dire qu'on a déjà eu à vendre au moins les 80% de nos marchandises. Concernant les salons, dans les mobiliers de bureaux, au niveau de la décoration aussi, des articles de Noël et tout, et la décoration intérieure, tout ce qui concerne la déco intérieure, on va dire que on peut évaluer ça dans les 75%, domaine de salon 80% et dans les mobiliers de bureaux à peu près à 90% aussi. Si pour certains, cette période de fête de fin d'année a été rentable, pour d'autres, elle l'est moins, surtout pour ce qui est du déficit commercial. Beaucoup de dépenses à l'importation et moins de bénéfices à la vente. Nous ne pouvons pas quantifier exactement le stock que nous avons vendu, mais nous avons fait un peu. C'est pas comme on espérait, mais bon, nous disons merci Seigneur. Et nous espérons que l'année 2017
ça ira mieux. L'année 2016, nous avons tant de stocks qu'on n'a pas pu écouler. On remercie Dieu quand Dieu nous a aidés, nous a donné un peu. On a eu à faire des commandes pour la fin d'année, pour les fêtes de fin d'année. Mais bon, à notre grande surprise, il n'y a pas eu vraiment d'affaires. Et les bonnes dames, d'habitude, c'est les Nigérianes et les Ivoiriennes qui viennent acheter en gros pour partie. Mais bon, cause du dollar qui a chuté et de côté du Nigeria, les bonnes dames n'ont pas pu venir acheter, de même que les Ivoiriennes. Même au Togo, souvent, Manates, quand il prend les en gros comme ça, il distribue à toutes les bonnes dames du marché. Mais bon, avec les crédits, on n'a pas eu vraiment de recouvrement des crédits. Donc, on ne peut pas vraiment dire que le bilan est positif. Vraiment, on rend grâce à Dieu pour ce qu'on a pu faire et ce qu'on a pu encaisser comme sous. Et bien, bon, on espère que 2017 apportera de meilleures choses et qu'il y aura plus de chiffre d'affaires. Les opérateurs économiques attendent donc de faire de bonnes affaires en 2017, surtout avec les différentes réformes entreprises pour faciliter les échanges commerciaux. Ils espèrent donc que les nouvelles mesures contenues dans le budget exercice 2017 vont leur permettre de contribuer au développement économique du Togo. Et justement, à l'agenda politique et pour une vitalité toujours plus croissante de l'économie togolaise, eh bien, les réformes économiques vont se poursuivre en 2017. Carmel Madiakapou le disait tantôt cette année. Donc, qu'est-ce qui peut changer, par exemple, Mathias Tsouglo, pour nous en dire plus? Le Togo, dans la droite ligne de sa politique de développement et de croissance économique, s'est résolument engagé à œuvrer pour son éligibilité au programme américain de lutte contre la pauvreté dénommé Millennium Challenge Account. Dans cette quête permanente, deux indicateurs sur lesquels il est jugé sont passés au vert. Il s'agit de sa politique commerciale. Le conseil d'administration du Millennium Challenge Account. Petit souci de magnéto hein, pour ce sujet. On reviendra là-dessus dans le courant de cette édition. Si tout va bien sur les réformes économiques, on en vient maintenant aux attentes des Togolais pour 2017. L'économie, les salaires, la politique, le vivre ensemble. Eh bien, voilà cela avec Augustin Kossi. Une nouvelle année pleine de projets et de perspectives que les Togolais souhaitent voir réalisées. Des attentes multiples et multiformes. Je souhaite sincèrement que nous ayons une nation togolaise beaucoup plus solidaire. Nous sommes dans une année charnière qui nous prépare à des échéances électorales en 2018, les élections législatives et peut-être locales. Il va falloir qu'on mette cette année 2017 à profit pour opérer les fameuses réformes que le gouvernement et ses oppositions sachent s'entendre pour harmoniser leurs positions, pour qu'on prépare le terrain. Nous avons besoin également que la culture togolaise soit beaucoup plus vivace pour nous divertir, pour nous former. Et dans son ensemble, que les Togolais, que nous nous sentions beaucoup plus fiers d'être les filles et les fils d'une nation. Et ce que moi je souhaite pour le Togo, c'est la paix, que toutes les attentes des citoyens togolais soient réalisées et que vraiment les menaces de part et d'autre des autres pays que nous écoutons sur les médias s'éloignent davantage de notre pays. Ces vœux et souhaits touchent également l'économie et les infrastructures, des secteurs qui bénéficient déjà d'une place de choix dans l'action gouvernementale. En tant que jeune, le tout premier de nos attentes, c'est avoir un emploi stable, ce qui va nous permettre de fonder nos familles et d'être épanouis. Au niveau des infrastructures, le PAI est déjà lancé. Le chef de l'État a déjà financé certains ouvrages. D'autres sont encore en cours d'achèvement, mais j'espère qu'il y aura encore d'autres financements pour et d'autres localités. Nous souhaitons que le commerce prospère, que nos activités commerciales et notre rapport avec le gouvernement soient faciles. Cette année, nous souhaitons et nous voulons que le gouvernement nous fournisse beaucoup de choses
pour créer les conditions nécessaires pour nous faire avancer dans le commerce. L'année 2017, c'est une année de chance, de bonheur, de succès et de santé pour la population togolaise. Et en l'occurrence, notre chef d'État, pour tout ce qu'il a fait pour l'année 2016, ce qu'il n'a pas pu faire, il n'a qu'à continuer comme ça. Je le félicite beaucoup. Et les opposants, je leur souhaite une bonne et heureuse année. Fort, je lui souhaite longue vie. Qu'il soit à l'écoute du peuple. Qu'il prenne en considération ce que les uns et les autres disent, ceux qui sont contre lui, ceux qui sont pour lui. Qu'il prenne toute la vérité dans ce que chacun dit et que lui-même, en sage, il décide ce qui est bon pour tout ce peuple. Pour nous tous, Togolais, et pour notre pays, c'est la prospérité. Que les éperviers gagnent la CAN. Quand un pays décolle, ça décolle. Et puis il y a des choses, à petit coup, on le fait. Bon, ce que je souhaite encore, c'est qu'il y ait encore plus de rigueur et de suivi dans les projets. Les artères, les marchés, tout cela. Il faudrait qu'il y ait encore plus de suivi. Bonne et heureuse année à tout le monde. Et bien des choses à tous nos dirigeants du Togo et nos éperviers, que la CAN qui débute bientôt, qui puisse nous rapporter quelque chose au pays. Et pour exprimer tout cela en des actes concrets susceptibles de placer le Togo sur la voie de l'émergence, toutes les forces vives sont sollicitées. Retour sur le décret pris aujourd'hui en Conseil des ministres, décret portant nomination des membres de la commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles au Togo. Le président de la République, vu la constitution du 14 octobre 1992, vu le rapport final de la commission Vérité, Justice et Réconciliation du 3 avril 2012, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er, sont nommés membres de la commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnel et constitutionnel au Togo, M. Aoumezounou Kwesi Seliagodi, membre, M. Ayasseur Adi Otet, membre, professeur Kokoroko Komla Dodji, membre, professeur Poder Adama, membre, professeur Batchana Essoranam, membre, M. Afande Kofi Koumelio, membre, M. Yabare Dago, membre, Dr. Iou David Ekoudé, membre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Deuxième décret portant nomination des membres, cette fois-ci de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le président de la République, vu la constitution du 14 octobre 1992, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Sont nommés membres de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, M. Wiyao Essorana, M. Folivi Assiambor, Mme Chemi Mba, Mme Ayena Akosiwa, M. Koudjo Ayayi, M. Aruna Larja, M. Aladjou Aguta. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Dans le reste de l'actualité, ce geste de la Miss Togo 2016, cadeau aux enfants, ça se passe dans les plateaux. Un instant de bonheur raconté ici, vous allez l'entendre par Yves Agbevivi. C'est la fête des enfants. Aimez-vous les enfants? Voici l'ambiance qui a régné sur l'esplanade de la radio Excelsior à Takpamé à la visite de la Miss Togo 2016. Dalmeda Kokwe Balbina a répondu aux questions des enfants, questions relatives à son projet social et à sa vie. Des questions-réponses entrecoupées de récitations, de chants et de déclamations de poèmes. Une initiative de la dite radio en faveur des enfants d'Atakpabé en cette période de fête de fin d'année. L'appel des enfants qui ont voulu voir la Miss, apparemment ils se posaient beaucoup de questions et ils voulaient voir une Miss en vrai. Donc ça me fait très plaisir aujourd'hui de venir leur donner le sourire en venant passer la... L'émission radio avec eux. Alors je vais amener des boissons, des calendriers et puis quelques biscuits pour clôturer ensemble et pour passer un bon moment après la radio. Comme de par le passé, Radio Excelsior avait souvent eu l'habitude d'organiser des fêtes aux enfants en Noël. Nous sommes dit, l'année passée on ne l'a pas fait, pourquoi pas cette année? Et si les enfants exprimaient le besoin de pouvoir rencontrer la Miss,
Alors c'est bon, nous avons fait la démarche nécessaire et ainsi la MIS est parmi nous ce soir et ça fait plaisir à tout le monde. Et cette émission se passe tous les mercredis de 16h à 17h. Après l'animation de l'émission Les Tout-Petits sur les ondes, la MIS Togo a, en vue d'encourager les enfants à préserver l'environnement, planté un arbre dans la cour du collège Saint-Albert. On l'a entendu parmi les souhaits exprimés donc tout à l'heure par les Togolais, les éperviers sont revenus, les éperviers à présent donc en stage bloqué à 85 km au nord de Dakar depuis lundi. Tout le monde est là, les séances d'entraînement s'enchaînent, c'est ce que nous dit notre envoyé spécial au Sénégal, Tchin Piutiba. À cette première séance d'entraînement à l'Institut Djambar ou Guerrier en langue Wolof locale, les 25 éperviers sont au rendez-vous, notamment les anciens, le capitaine Cheyi Adebayo, le goal Agassa Kossi, le défenseur Mama Gafa, le milieu Alexis Romao et les nouveaux venus dans le nid, Nukafu Vitor et Douadji Joseph. Premier exercice fait de petites passes, touches de balles et qui sont déroulés dans de bonnes conditions, tant climatiques que techniques. Les quatre pics de qualité chez un footballeur sont les paramètres physiques, techniques, tactiques et mentaux. C'est ce qu'on va travailler pendant 11 jours, à savoir que l'équipe soit parfaitement prête physiquement, qu'elle soit au point tactiquement, que techniquement les joueurs soient prêts et qu'après, bien évidemment, pour affronter ce qui est numéro 1 africain actuellement par le classement FIFA, la Côte d'Ivoire, la RDC, que Jeune Afrique vient de casser numéro 1 africain, plus le Maroc dont on connaît le talent, ils peuvent aligner deux équipes pro sans que ça change grand chose. Il faudrait être très fort mentalement et c'est le dernier point sur lequel on va beaucoup travailler. C'est difficile de trouver sur ce continent d'aussi bonnes conditions pour travailler. Terrain parfait, c'est pour ça que j'ai tellement insisté pour qu'on soit là, parce qu'il y a peu d'endroits où les conditions climatiques, les conditions hôtelières, les conditions d'entraînement, de terrain proprement dit, des espaces, le travail physique le matin à 7h le long de la plage sur un parcours que je connais bien, donc qui est parfaitement adapté à ce travail. Mais avant de s'envoler à Dakar pour poursuivre sa mission d'encadrement des éperviers, le coach Claude Leroy a reçu le 24 décembre à Abidjan, Côte d'Ivoire, le trophée d'honneur à lui décerner lors de la nuit du football africain. Un élément supplémentaire de motivation pour le technicien français. Mais j'ai été très touché, très très fier, vraiment. On m'avait demandé d'être à Abidjan, donc je m'étais rendu à l'invitation des organisateurs, mais personne ne m'avait jamais dit que j'allais recevoir le trophée d'honneur du football africain. Tout est symbole de motivation. Je pense que tout est fait dans ce pays pour qu'on soit placé dans la meilleure condition. On n'a pas à se plaindre de quoi que ce soit. Tout le monde essaie de nous donner un coup de main. Cette séance sera suivie d'autres, ce jusqu'au 10 janvier, où les EPV joueront en amical contre une équipe locale. Et voilà donc les éperviers en stage bloqué à Dakar. Retour sur les attentes exprimées par les Togolais, vous allez encore l'entendre. Les éperviers européens reviennent en bonne place. Les attentes des Togolais pour cette année 2017. Sujet signé Augustin Kossi. Une nouvelle année pleine de projets et de perspectives que les Togolais souhaitent voir réalisées. Des attentes multiples et multiformes. Je souhaite sincèrement que nous ayons une nation togolaise beaucoup plus solidaire. Nous sommes dans une année charnière qui nous prépare à des échéances électorales en 2018, les élections législatives et peut-être locales. Il va falloir qu'on mette cette année 2017 à profit pour opérer les fameuses réformes que le gouvernement et ses oppositions sachent s'entendre pour harmoniser leurs positions, pour qu'on prépare le terrain. Nous avons besoin également que la culture togolaise soit beaucoup plus vivace pour nous divertir, pour nous former. Et dans son ensemble, que les Togolais, que nous nous sentions beaucoup plus fiers d'être les filles et les fils d'une nation. Et ce que moi je souhaite pour le Togo, c'est la paix, que toutes les attentes des citoyens togolais soient réalisées et que vraiment les menaces de part et d'autre des autres pays que nous écoutons sur les médias s'éloignent davantage de notre pays. Ces vœux et souhaits
touche également l'économie et les infrastructures, des secteurs qui bénéficient déjà d'une place de choix dans l'action gouvernementale. En tant que jeune, le tout premier de nos attentes, c'est avoir un emploi stable, ce qui va nous permettre de fonder nos familles et d'être épanouis. Au niveau des infrastructures, le PAI est déjà lancé. Le chef de l'État a déjà financé certains ouvrages. Deux sont encore en cours d'achèvement, mais j'espère qu'il y aura encore d'autres financements pour d'autres localités. Nous souhaitons que le commerce prospère, que nos activités commerciales et notre rapport avec le gouvernement soient faciles. Cette année, nous souhaitons et nous voulons que le gouvernement nous fournisse beaucoup de choses pour créer les conditions nécessaires pour nous faire avancer dans le commerce. Cette année 2017, c'est une année de chance, de bonheur, de succès et de santé pour la population togolaise. Et en l'occurrence, notre chef d'État, pour tout ce qu'il a fait pour l'année 2016, ce qu'il n'a pas pu faire, il n'a qu'à continuer comme ça. Je le félicite beaucoup. Et les opposants, je leur souhaite une bonne et heureuse année. Fort, je lui souhaite longue vie. Qu'il soit à l'écoute du peuple. Qu'il prenne en considération ce que les uns et les autres disent, ceux qui sont contre lui, ceux qui sont pour lui, qui prennent toute la vérité dans ce que chacun dit et que lui-même, en sage, il décide ce qui est bon pour tout ce peuple. Pour nous tous, Togolais, et pour notre pays, c'est la prospérité. Que les éperviers gagnent la canne. Quand un pays décolle, ça décolle. Et puis il y a des choses, à petit coup, on le fait. Bon, ce que je souhaite encore, c'est qu'il y ait encore plus de rigueur et de suivi dans les projets, les artères, les marchés, tout ça là. Il faudrait qu'il y ait encore plus de suivi. Bonne et heureuse année à tout le monde. Et bien des choses à tous nos dirigeants du Togo et nos éperviers, que la CAN qui débute bientôt, qui puisse nous rapporter quelque chose au pays. Et pour exprimer tout cela en des actes concrets, susceptibles de placer le Togo sur la voie de l'émergence, toutes les forces vives sont sollicitées. Il est 20h33, la suite de cette édition qui déborde un tout petit peu avec maintenant le Conseil des ministres. Il s'est réuni, le tout premier conseil de cette année 2017 s'est réuni au palais de la présidence de la République. Avec nous, sur le plateau, le ministre en charge de la communication, M. Guy Madji Lorenzo, pour le compte rendu. Merci. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mardi 3 janvier 2017. Le premier conseil des ministres de l'année 2017 s'est tenu ce mardi 3 janvier 2017 au palais de la présidence de la République sous l'autorité du président de la République, son Excellence Monsieur Faure Sozimna Nyasimbe. Au cours des travaux, le conseil a examiné en deuxième et première lecture deux décrets, écouté trois communications et des divers. À l'ouverture des travaux, le président de la République a adressé ses meilleurs voeux aux membres du gouvernement et fixer les grands axes de l'action gouvernementale qui connaîtra de grandes réformes sur le plan politique, économique, social et des infrastructures. Sur le plan politique, le gouvernement poursuivra les réformes administratives, institutionnelles et constitutionnelles. S'agissant du secteur économique, des discussions sont déjà en cours avec le Fonds monétaire international en vue de la conclusion d'un programme sur 3 ans. Ce programme devrait permettre à notre pays de maîtriser son endettement tout en soutenant notre croissance économique en vue de créer la richesse nécessaire pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Les réformes sociales, quant à elles, visent notamment l'intensification des actions en matière de santé et d'éducation. Par ailleurs, l'agenda gouvernemental accorde une place importante à l'accélération du chantier de la décentralisation. Au plan des infrastructures, l'un des grands chantiers du gouvernement en 2017 consistera en une transformation en profondeur du secteur numérique au service du développement. Le gouvernement fera preuve de pédagogie et d'ouverture en maintenant
en permanence le dialogue avec les forces vives de la nation. Les ministres ont été ainsi invités à plus d'ardeur au travail et de synergie dans les interventions sur le terrain. L'année 2017 devra aussi être une année utile pour notre pays afin que chaque concitoyen puisse percevoir les fruits de la croissance et des efforts du gouvernement. Le Premier ministre a, au nom du gouvernement, présenté ses admirations au chef de l'État pour les résultats engrangés en 2016 et l'a rassuré de la mise en œuvre urgente des nouvelles orientations qu'il a données. Le premier décret examiné en deuxième lecture par le Conseil porte régime financier des collectivités territoriales. Le second décret, qui a été examiné en première lecture par le Conseil, porte organisation, composition et fonctionnement du Conseil national de la métrologie légale. Au titre des communications, le ministre chargé des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle et le ministre chargé de la fonction publique ont rendu compte au Conseil des ministres de la situation actuelle en milieu scolaire suite aux mouvements de grève et aux perturbations déclenchées par certaines organisations syndicales de l'enseignement. Les deux ministres ont rappelé les différentes rencontres et les échanges qu'ils ont eus avec les membres des organisations syndicales concernées, ainsi qu'avec les 7 centrales syndicales et le Conseil national du dialogue social. Toutes ces initiatives ont permis d'expliquer les mesures et les efforts déjà engagés par le gouvernement dans ce secteur, entre autres le paiement annuel des primes de rentrée de bibliothèque, les recrutements d'enseignants, les concours d'entrée des élèves instituteurs dans les ENI et à l'école normale supérieure, les dispositions favorables applicables spécifiquement aux enseignants, notamment lors de leur recrutement dans la fonction publique, l'intégration de la quasi-totalité des 11 200 enseignants auxiliaires dans la catégorie des fonctionnaires, ce qui consacre l'extension de ce groupe d'agents. Les deux ministres ont toutefois souligné les défis et les préoccupations qui restent encore à régler dans le secteur de l'enseignement général et de la formation professionnelle. Dans ce contexte, les échanges qu'ils ont eus avec les centrales syndicales ont permis de s'accorder sur la mise en place d'un groupe de travail comprenant les représentants des fédérations des syndicats des enseignants siégeant au sein du cadre permanent de concertation, le CPC, élargi à ceux des centrales syndicales et des organisations de parents d'élèves. Ce groupe de travail sera effectif dès ce mois de janvier 2017 et aura pour mission de réfléchir de manière globale sur les défis et les besoins du secteur de l'enseignement général et de la formation professionnelle, afin de parvenir à des constats partagés et de proposer les actions prioritaires pour répondre aux préoccupations exprimées. Outre la problématique du statut particulier, d'autres questions seront abordées, notamment les problèmes liés au déficit en personnel enseignant, l'insuffisance d'infrastructures et d'équipements scolaires, la formation des enseignants pour le compte des secteurs publics, privés laïcs et privés confessionnels, le développement de la formation professionnelle. Le Conseil des ministres a déploré les dérapages et les actes inciviques qui ont été relevés à l'occasion des récentes grèves et a rappelé la nécessité de continuer à privilégier un dialogue constructif. Par ailleurs, à la suite des informations fournies par le ministre des enseignants, des enseignements primaires, secondaires, de la formation professionnelle sur les résultats du dernier concours de recrutement dans les ENI, le Conseil des ministres a décidé de la reprise de ce concours pour les candidats ayant précédemment composé dans les centres décrits de Thiévier et de Dapahan. La deuxième communication suivie par le Conseil est relative à l'incendie qui s'est déclaré dans la grande cathédrale de Lomé. Le lundi 3 janvier 2017, vers 16h, les sapeurs-pompiers de la ville de Lomé ont été alertés du déclenchement d'un incendie à la sacristie de la cathédrale de Lomé. Grâce aux efforts conjugués des sapeurs-pompiers et de la population, l'incendie a été maîtrisé vers 17h30. Il n'y a pas de victimes à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Deux autres incendies maîtrisés par les sapeurs-pompiers ont tout de même provoqué des dégâts matériels dans le marché de Pélé, préfecture de Hao, et dans le marché de Klabé et Foupa, préfecture de Wawa. Le gouvernement appelle les populations à redoubler de vigilance en cette période d'harmattan
et à prendre toutes les mesures de sécurité dans les habitations et lieux publics en débranchant les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés et en éteignant les bougies et autres sources à risque des usages. Au titre des divers, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé du tourisme a rendu compte au Conseil que suite aux différents avertissements des opérations de saisie ont été effectuées sur plus de 35 000 tonnes de sachets non biodégradables. Ces sachets seront broyés et recyclés. Ces opérations se poursuivront sur les différents marchés. Le ministre de l'Économie et des Finances a rendu compte au Conseil de l'arrivée le 4 janvier 2017 d'une mission du Fonds monétaire international dans le cadre d'un programme de facilité élargi avec le Togo. Les travaux de cette mission permettront à notre pays et au FMI de conclure un programme de 3 ans visant à soutenir la croissance économique de notre pays et à réduire son taux d'endettement. Fait à Lomé le 3 janvier 2017, le Conseil des ministres. Et voilà donc le compte rendu du Conseil des ministres présenté donc par le ministre Guy Madji Lorenzo en charge de la communication. Je vous reprends également lecture de ces deux décrets délibérés en Conseil des ministres ce jour. Décret portant nomination des membres de la commission de réflexion sur la réforme politique, institutionnelle et constitutionnelle au Togo. Le président de la République, vu la constitution du 14 octobre 1992, vu le rapport final de la commission Vérité, Justice et Réconciliation du 3 avril 2012, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er, sont nommés membres de la commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles au Togo, Monsieur Aoumezounou Kwesi Seliagodi, membre. Monsieur Ayasseur Di Otet, membre. Professeur Kokoroko Komla Dodji, membre. Professeur Poder Adama, membre. Professeur Bachana Estoranam, membre. Monsieur Afande Kofi Koumelio, membre. Monsieur Yabré Dago, membre. Docteur Iou David Ekoudé, membre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Deuxième décret portant nomination, cette fois-ci des membres de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le président de la République, vu la constitution du 14 octobre 1992, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Sont nommés membres de la Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, M. Wiyao Essorana, M. Folivi Assiangbor, Mme Tchemi Mma, Mme Ayena Akosiwa, Mme Koudjo Ayayi, Monsieur Koudjo Ayayi, Monsieur Aruna Larja, Monsieur Aladjou Agouta. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Voilà, on va terminer ce journal, cette édition, par le stage bloqué des éperviers au Sénégal, à Dakar, à 45 km au nord de Dakar. Depuis lundi, tout le monde est là. Les séances d'entraînement s'enchaînent. Reportage sur place de notre envoyé spécial, Tchimpiutba. À cette première séance d'entraînement à l'Institut Djambar ou Guerrier en langue wolof locale, les 25 éperviers sont au rendez-vous, notamment les anciens, le capitaine Cheyi Adebayo, le goal Agassa Kossi, le défenseur Mama Gafa, le milieu Alexis Romao et les nouveaux venus dans le nid Nukafu Vitor et Douadji Joseph. Premier exercice fait de petites passes, touches de balles et qui sont déroulés dans de bonnes conditions, tant climatiques que techniques. Les 4 pics de qualité chez un footballeur sont les paramètres physiques, techniques, tactiques et mentaux. C'est ce qu'on va travailler pendant 11 jours, à savoir que l'équipe soit parfaitement prête physiquement, qu'elle soit au point tactiquement, que techniquement les joueurs soient prêts et qu'après, bien évidemment, pour affronter ce qui est numéro 1 africain actuellement par le classement FIFA, la Côte d'Ivoire, la RDC, que Jeune Afrique vient de casser numéro 1 africain, plus le Maroc dont on connaît le talent, ils peuvent aligner 2 équipes pro sans que ça change grand chose. Il faudrait être très fort mentalement et c'est le dernier point sur lequel on va beaucoup travailler. C'est difficile de trouver sur ce continent d'aussi bonnes conditions pour travailler. Terrain parfait, c'est pour ça que j'ai tellement insisté pour qu'on soit là, parce qu'il y a peu d'endroits où les conditions climatiques, les conditions hôtelières, les conditions d'entraînement, de terrain proprement dit, des espaces, le travail physique le matin à 7 h le long de la plage,
sur un parcours que je connais bien, donc qui est parfaitement adapté à ce travail. Mais avant de s'envoler à Dakar pour poursuivre sa mission d'encadrement des éperviers, le coach Claude Leroy a reçu le 24 décembre à Abidjan, Côte d'Ivoire, le trophée d'honneur à lui décerner lors de la nuit du football africain. Un élément supplémentaire de motivation pour le technicien français. Mais j'ai été très touché, très très fier, vraiment. On m'avait demandé d'être à Abidjan, donc je m'étais rendu à l'invitation des organisateurs, mais personne ne m'avait jamais dit que j'allais recevoir le trophée d'honneur du football africain. Tout est symbole de motivation. Je pense que tout est fait dans ce pays pour qu'on soit placé dans la meilleure condition. On n'a pas à se plaindre de quoi que ce soit. Tout le monde essaie de nous donner un coup de main. Cette séance sera suivie d'autres, ce jusqu'au 10 janvier, où les éperviers joueront en amical contre une équipe locale. Cette édition quelque peu longue, aujourd'hui c'est la fin. Je vous souhaite une très belle soirée.